Gbi de Fer, artiste comédien ivoirien en micro de Vibe Radio. Celui-ci accuse la FIFA de complicité avec Drogba. L'attitude de la FIFA vis-à-vis du dossier de la FIFA est tendancieuse. De quel droit se donne la FIFA à se mêler d'une élection locale et même de la bloquer? Franchement, je ne suis pas d'accord avec cette ingérence de la FIFA. Je le dis, ce que fait la FIFA, ce n'est rien d'autre que de l'ingérence. Pour une affaire de parrainage, la FIFA va intervenir et bloquer une élection au foot en Afrique. Le comportement de la FIFA, on a l'impression qu'ils agissent par amitié. Et aux fans de Drogba, l'artiste leur a lancé ce message. Lorsque vous vous permettez de vilipender ceux qui ne sont pas avec Drogba, à savoir ses adversaires, les dirigeants de club, tout comme les anciens footballeurs, vous risquez de braquer toutes ces personnes-là contre votre candidat. Vous ne votez pas et c'est vous qui insultez sur les réseaux sociaux, les gens qui votent. Voilà des gens qui ne sont ni à la FIFA, ni responsables sportifs, qui ne votent pas non plus, c'est eux qui s'en prennent verbalement aux acteurs du foot dans ce pays. Les personnes qui votent, on les connaît, ils sont au nombre de 81 votants. Et vous, quel est donc votre rôle dans cette histoire? Do you remember when we used to run? Grampé à l'état civil, Moussa Sandiana Kaba veut prouver à ses fans la sincérité de sa relation amoureuse avec l'artiste ivoirienne Doxy Yao. L'artiste guinéen serait donc prêt à offrir 5 millions de francs CFA comme dot. Considéré comme un nouveau buzz en Côte d'Ivoire par les internautes, Doxy Yao affirme. Laissez-moi me marier avec Grampé, ma relation avec Grampé fait mal à beaucoup de gens, et je ne sais pas pourquoi. On ne blague pas avec l'amour.